les gars. Salut tout le monde. Aujourd'hui ça va être un petit truc spécial, on va faire de l'urbex. Et ouais, moi j'espère que ça va plaire. Ouais. C'est une petite vidéo test. C'est une petite vidéo test, donc selon le nombre de vues, selon le nombre de likes surtout, hein, et les critiques. C'est ça. On en refera une ou on en refera pas une en fait. Hein. Donc on compte sur vous pour aimer la vidéo. Hein. On va pas vous forcer. Hein. Il y a quelques petits spots sympathiques en usine ou ce truc là. Ouais, voilà, on a des petits trucs sympas à faire. Donc là c'est vraiment un petit truc, une vidéo entrée de gamme quoi. Mais après, si ça vous plaît, on continuera. Allez, on compte sur vous. Allez. Allez, on se retrouve sur place. Lama, c'est bon, on est sur place. Donc du coup, vous aurez cette vidéo là et celle-ci ici. Vous voyez. Hop là. Donc là, on est parti. On est parti ? Je suis motivé ? Ouais, ouais, je suis motivé. Attends, regarde, je fais un petit tour des lieux. Ouais. Déjà, vous voyez, là, il y a pas mal... On devait le faire de nuit, mais du coup, on l'a fait de jour. On verra beaucoup plus de choses. Là, il y a une maison derrière les arbres. Voilà. Il y en a une au fond. Là, il y a des... Donc, surtout, on n'indique pas le lieu. Et... non, c'est comment dire. Ceux qui connaissent l'endroit, ne le révoilez pas en commentaire. Faut que ça reste quand même discret pour éviter que ça soit dégradé plus que ce ne le... Voilà. Tu connais un peu l'histoire du lieu, non? Apparemment, ça serait un ancien médecin. Un ancien médecin qui serait né dans les débuts 1900. Donc on verra sur place à l'intérieur. Normalement, il reste des choses de médecine dans la logique. Et une bonne cave. Vous allez voir, une très grosse cave. On va aller voir. Donc, ça. On va aller tiens, voir regarde, ça plus il y a une petite plaque sur le mur. Là. Ouais, bah ça déjà, je sais ce que c'est. Alfa Laval, c'est des machines de traire, à traire. Mon grand-père y a travaillé en fait, si tu veux. On va aller voir l'intérieur. Donc on va commencer là déjà. Bah c'est assez sourci. On fait la lampe torche au cas où. On va peut-être la sortir pour les prochains bâtiments. Ah je me prends les ronces dans la tronche. Ah bah. Ah oui dans la tronche, j'ai essayé de pas. Oula, il y a un vieux congèle là. Alors déjà. Oula, un vieux congèle. J'ose pas ouvrir l'intérieur. On va ouvrir le congèle les amis. On va surtout bien faire attention, vous voyez, hein, les plafonds, ça prend l'humidité, donc faut être vigilant et jamais monter sur les étages. Hein. Imaginez vous passer à travers. Vous voyez, ça a dû se casser la figure. On l'ouvre ou quoi? Vous sentez prêt les amis? Qu'on ouvre le congèle? Oh, regarde. Ah, oh, ça pue. Bon, on commence déjà avec une souris morte. Eh, t'as oublié ta veste? Ah. Voilà. C'est pas une veste de médecin, ça. Pas toute jeune celle-là. Donc on ne dégrade rien, on ne touche à rien, on remet tout à sa place. On n'est pas là pour faire... pour dégrader les lieux. Bon, bon bah déjà, premier morceau d'écurie, terminé. On va aller voir le reste. Faut me casser la gueule. Il y a aussi par là, hein, regarde mec. Bah allez, je passe en premier. Ah ouais d'accord, ouais mais regarde. Ouais, ouais, bah oui, j'ouvre le chemin, ouais. C'est de la ronce quand même. Bon, on n'est pas experts en urbex encore. Hein. Ouais, on n'est pas les experts en urbex. Hein. Tu veux que j'y aille ? Attends, mec, c'est la merde. Attends, je vais y aller. Oh, je prends tout dans la tronche. Aïe. Allez, ouais, c'est rien que pour vous, ça, en plus. Hein. Ah, ça pique. Ah. Donc, je vais tout défoncer moi. On aura besoin de la loupiote. Alors la loupiote. Oh regarde là-bas. Attends, faut que tu mettes la loupiote. Ah oui, attends. La loupiote. Alors. On commence par un vieux tonneau. Vieux tonneau en bois. On dirait même. Ah regarde, c'est un truc de téléphone. Ouais. C'est normal, ton écran il s'est coupé. Appuie dessus avec ton doigt. Mais... Donc là, à mon avis, il n'y a pas un squat ici. Il doit y avoir du monde qui doit venir passer des petites soirées ici. Ouais. T'as pas une loupiote?
Avec toi, non? Une lepiote? Non, je vais prendre la voiture après, du coup, merde, j'ai oublié. C'est vrai que là, c'est pas évident pour montrer. Faut que je te suive. Ouais, il y a des paquets de saucissons et tout. Je pense qu'il doit y avoir du squat un peu ici. Bon, ça doit être des gamins, parce que t'as pas besoin de garde, ouais. Ouais, regarde-moi ça. T'as pas de bière, c'est pas... rien, c'est quand même... Voilà. C'est un peu ce qu'on répète, en fait, à chaque fois. Ouais, c'est des gamins, regarde, c'est des Milka, des trucs comme ça. Oui, c'est dégueulasse. Matt, tu peux venir avec l'arrêt, deux secondes. Yes. Je voulais montrer un truc, mais à la caméra, là, on le voit pas. Regardez-moi ça. Ça coûte rien de prendre une petite poubelle, voilà, je viens que tu viennes dans un lieu, que tu viennes... Regarde les dates de péremption, on peut arriver à s'imaginer à quelle époque ça... Ouais, c'est possible que ça, ça. Ah! Juin 2021. 21. Bah, ouais, 2020, ouais, pardon. C'est assez récent quand même. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous tape un petit délire à peindre les poutres en bleu? Ouais, ça doit pas être si beau. Ouais. Oula, le tas de poubelle là. Vas-y, c'est ça. Ouais. Il y a une roue de vélo là-bas. Ouais. Donc là, ça, ouais, ça devait être un ancien abreuvoir ou. Des étables à chevaux, ça peut-être. Ouais, c'est ça, je pense que ça doit être des étables. Ouais, regarde, t'as les petites buvettes là. Ouais, après, c'est ça. C'est les buvettes. Je dis peut-être des conneries. J'ai trop marché là. Ah, ouais. Revenant. Du coup, la partie 1 et la partie 2 de l'écurie est terminée. On va regarder s'il y a des entrées pour l'autre partie qui est là. Celle-là, je suis pas trop fan quand tu vois les toits. Ouais, le toit il est pas beau. Ouais. Bon, on va mettre la petite lumière. Ouais, j'ai filé une petite lumière à Audric. Voilà. Test. Ah oui. Ah oui, ça fonctionne. Allez, on repart par ici. C'est parti. Je vais vous faire peut-être un aperçu vite fait comme ça. Là, vous voyez, tout est dégradé. Vous voyez, les plafonds se. Ils sont en train de tomber. Là, il y a même des chauves-souris, je crois. Il y a un, ouais. Non, voilà les risques en fait. Imaginez vous vous retrouvez en dessous alors que ça se casse la figure. Surtout quand vous faites de l'urbex, prévenez des proches où c'est que vous partez avec l'adresse, tout ça vraiment s'il y a des problèmes. Et donnez une heure de retour. Comme ça, si l'heure est dépassée, au moins la personne peut prévenir les secours. C'est vrai qu'on sait jamais sur quoi on peut tomber. Bon, allez, on continue. Hey, on va faire l'étape qui est là-bas. Ouais, on te suit. Allez, l'étape. Bienvenue dans Jumanji. Ah, tu me piques les pattes avec les ronces là. Voilà, le plus dur ça va être de trouver le passage pour entrer. Moi je dis bienvenue dans Koh Lanta à chaque fois, je suis pas dans Jumanji. Là c'est la jungle. Ouais, c'est la jungle. Ah, ça va être. Ah, je me suis piqué les Ça, ça pique entre les jambes. Ouf, ça m'est passé à ras de la tronche. Ah, c'est dommage là, je sais pas comment on pourrait faire. Ah oui, d'accord, bravo. La perche, elle sert à ça, mon ami? Non, ça marche pas. Ouais, il faudrait qu'on trouve un gros bout de bois. Ou des pieds. Ou des pieds. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Attends, bouge pas, Audric. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Normandie Détection. Une vidéo pour la prise de risque. Voilà, un petit like pour la prise de risque, mes amis. 10 minutes plus tard, Audric vient de nous faire le passage. Donc j'ai juste à... rentrer dedans. Merci Audric pour ce. Ah! Donc là, c'est le côté écurie. Ça pique. Ah, c'est pas si vieux que ça, hein. Parce que regarde, il y a de l'éclairage, c'est assez moderne ça.
dans la petite lampe. Bon, désolé pour le l'ombrage de la caméra. Ah, si, on peut être des curieux, regarde. Ouais. Regardez une espèce sauvage. Hein. Il a été oublié. Là. Fumé. Hein. Ah, un petit nid d'hirondelle. Je décale un petit peu. Voilà. Il y en a plusieurs. J'irai pas m'aventurer là-haut quand tu vois l'état du plafond. Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une fiole de médicaments, ça. Ouais, c'est une fiole de médicaments, ça. Il y en a plein dans la maison, logiquement. Et là, fais gaffe, mais regarde à côté, là. Touche pas, on n'a pas de gants. Ah oui, il y a une seringue. Une seringue. Je sais pas si vous voyez, il y a une seringue juste à côté, là. Ça devait être pour les soins des animaux, peut-être. Ouais, ouais. Mais dans le doute, on se méfie. On touche pas. Mais ça se trouve, c'était un vétérinaire. Peut-être. Non, mais je dis que c'est un médecin, moi, mais peut-être que c'était un vétérinaire. Hein. Je sais pas. Mais je pense pas, parce qu'il a des... Non, je... On verra après. Oula, il y a eu quoi, là? Ah. On croirait que quelqu'un a fait péter le mur pour... Ouais, bah y'a rien à voir. Y'a rien d'extraordinaire. Non, non, non. Bon, on va éviter de se prendre une pierre derrière la tête. Hein, les animaux sauvages qui viennent. Une crotte de renard. C'est bizarre, j'ai pas vu de pelote de... Attends, regarde-moi ça, encore du... Du crottin ? Du crottin. Comment c'est possible ? Pourtant, ça date de très très longtemps quand même ici. Hein. La boue séchée. Ah, c'est pas tout jeune ici, hein. C'était pour le paillage. Bon. Ouais. Regarde un peu l'état du plafond. Hein. Oh oui, dans d'ici quelques temps, il va se casser la gueule. Attends, fais appel à ton entreprise hein, pour venir refaire. Ouais. Appeler les charpentiers de mon boulot. S'ils regardent la vidéo, ils se reconnaîtront. Je vous oublie pas les étancheurs, ne vous inquiétez pas. Ah, puis les couvreurs, il y a de la tuile. Vous voyez dans le fond là-bas, avec quoi faire. Ouais. Ouais. Je crois qu'on a attendu pour l'apéro. Il y a une bouteille. Il y a une bouteille sur le bord de la fenêtre, on la voit de là-bas, si vous Donc la ça, voyez. C'est pas encore la maison, là. C'est encore un petit morceau de maison qui est à côté. On vous garde la maison pour en dernier. Pour en dernier. C'est le bouquet final, la maison, plus intéressant. Pas toute jeune celle-là. Oh non. Toujours laissée à sa place. Oh, il y a quelques petits trucs qu'on pourra montrer à l'intérieur. Allez, double la marque cette fois-ci. Vas-y, on te suit. Oh, lit. Les hirondelles. Oh, il est dur, regarde ça. Ça je sais pas si on l'aura vu à la caméra. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est ça. Regarde ça. C'est des hirondelles. Vas-y, le soir, regarde avec ses frères. Ah, il y a des hirondelles là. Tu la vois pas là? Excellent. Je sais pas si on va la voir. Ouais, je la vois, je la vois. Oh, c'est là, mec. Si je dis pas de bêtises, c'est la cave ici. Et on peut... Ah, petite hirondelle. C'est la cave, et de mémoire, je crois que c'est là-haut qu'il y a du vin, beaucoup de vin. Ouais, il y a des hirondelles. C'est pas si... Je fais me la payer, les hirondelles. Oh, regarde-moi ça. Eh, c'est un vieux four à pain ici. Y'a quoi? Ah, j'espère que c'est un four à pain. Pourquoi? Si, c'est ça, c'est un four. Là, t'es cuisine, à mon avis. Regarde, t'as encore la spatule pour le pain. Y'en a qui sont amusés à éclater des bouteilles dans le fond. Voilà, c'est l'irrespect du lieu encore. Ah, il est plus petit celui-là. Hop. Tout jeune ça, je sais pas à quoi ça servait. Regarde, il y a des sortes d'huile à l'intérieur. Si quelqu'un a une idée de ce que c'est, j'essaye d'éclairer, mais. Il n'y a pas d'inscription dessus. Je sais pas à quoi ça peut servir. Si là, regarde, tu vois. Ouais, non, c'est la rouille. Non, c'est ça. Il y a des vieux pots là. Non, il n'y a rien d'écrit. T'as même un vieux bidon. Bafa, je crois que c'est fait dessus, rien. Rafa. Non. Afa. C'est quoi ça, Mac? Tu sais pas ce que c'est ça? Ah non. Ah non. 5 litres, on dirait.
Ouais. Ça passe pas trop mal, sympathique. Un vieux chariot. Ne vous inquiétez pas, on vous met pas de screamer. Gazo. C'est des vieux produits. Hein. Gasolina. C'est du gasoil qui mettait là, non? Oh. Eh ben. Ouais, là, c'est des bouteilles de gnôle, ça, non? La gnôle. Ouais, regardez le moule pour le temps. Bon, ça va dans l'ensemble, ils ont pas trop détérioré le lieu. Bon, Mathieu monte là-haut, on va le rejoindre après. On va faire un petit peu le bas. Allez, on va essayer de grimper là-haut. On va y aller tranquillement. Putain, regardez, il y a des vieux trucs là. Une vieille chaise. C'est quoi ça? Regardez, c'est un vieux. Une vieille secoupe de je ne sais quoi. Je suis juste là. Ah, t'as une pièce à côté? Bah, filme la pièce à côté, je grimpe là-haut, c'est bon. J'arrive, j'arrive. On regarde. Toujours dans le respect du lieu, essayer de le laisser au maximum comme vous l'avez trouvé. C'est un petit peu le carnage au sol. Il y a plein de bouteilles. Chocolat. Chocolat meunier. Attends, on va se mettre accroupi. Donc là, vous avez la date. 1931. Donc c'est vraiment des. Ça doit être des morceaux de Bible. Oh oui! Et s'en est ourdé au sol. Il y en a partout. Donc là, les vieux tonneaux. Les vieux billots. Regardez. Pas toute jeune la chaussure. Donc ouais, la maison date d'avant-guerre. Enfin, de l'entre-deux-guerres surtout, je veux dire. Pardon. Ah. Donc je sais pas si Mathieu là-haut fait des petites découvertes un petit peu insolite. Mais je pense que nous, on en a quelques-unes quand même. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est la Bible. Ça devait être vraiment. Il devait être vraiment religieux. On va essayer de regarder, oui, il y a du vin. Champagne. Oh, tonton Franck, celle-là, elle est pour toi. Attendez. Hop. Pas tout jeune, ça. Bon, on va aller rejoindre Matt. Donc là, je sais pas si vous voyez, il y a des vieilles courroies. C'est des très grosses courroies. Je sais pas si c'est de Bansi ou un truc comme ça. Regardez, c'est des boîtes de quoi ça? Attendez, je vais essayer de vous faire voir. Je sais vraiment pas ce que c'est. Vente. En gros, Paris. Je sais pas ce que c'est, mais c'est très très vieux. Ah! Ce qui est assez bizarre, c'est que j'étais déjà venu à une époque ici et il y avait énormément de bouteilles de vin. Mais quand je vous dis énormément, il y en avait partout et là, il n'y a plus rien. Il n'y a vraiment plus rien. Ah, regardez! Un truc pour souffler dans la cheminée ou le barbecue. C'est quoi ça? Oh! Un petit étau, je ne sais quoi, c'est bizarre. Une vieille chaussure. Oh, la vieille bouteille, regardez. Regardez-moi ça. Oh, on voit plus ce qu'il y a inscrit dessus. Oh, c'est une vieille bouteille.
Ah, il y a Audric qui est en train d'arriver là-bas normalement. Audric? Ou alors t'as fait des petites découvertes, non? Ouais, et c'est plus comme c'était à une époque. C'était pas comme ça à une époque. Il y avait une centaine de bouteilles de vin, voire des milliers. Ration, menu. Oh, c'est une plaque militaire! Non! T'es sérieux? J'ai pas fait gaffe, mec! C'est des rations. Oh, excellent! Ah ouais! Ration, menu numéro 5. Oh, extra, mec! Mais malheureusement, vous connaissez la règle. Ça reste ici. Regarde, j'ai trouvé ça, mec. J'ai fait voir. C'est quoi? Attends, vu qu'on a plus d'éclairage, peut-être qu'on verra. Je sais pas trop ce que c'est. Entreprise Robin, assimilable, c'est marqué dessus. Donc si des gens ont des infos là-dessus, ça a l'air d'être super ancien. Hé, viens boire avec moi. Comme pas. Mais fais gaffe quand même où tu mets les pieds. Là. Ici, quand j'étais venu, c'était rempli de bouteilles de vin. Là, c'était rempli partout. Ça a été vidé? Ça a été vidé, ouais. Regarde, il y a un souffleur, comme je disais, là. Est-ce qu'on était venu il y a quelques années maintenant. Hein. Regarde, ça c'est un plat d'une vieille soupière. Tu vois? Ouais. Là-haut. Regarde les étiquettes de bouteilles, je sais pas. Il y en a une là, mais... Je ne sais pas les années. Mais... Bah, j'ai eu d'en bas, ils le verront sans ma caméra. Il y a une Bible, plein de petits passages de Bible. Non, vieille bouteille de Ricard. Mais de mémoire, quand on était venu, il y avait des bouteilles qui étaient de fin 1800. Fin 1800, début 1900. Et j'ai un morceau, le morceau de Bible, justement, il est de 1930 et des poussières. Ah bon? Ah oui, effectivement. Encore une chaussure. Ouais. C'est vraiment un point sympathique. Donc à mon avis, alors si je dis pas de conneries, c'est il devait y avoir des... À mon avis, ça a dû servir de refuge au moment de la Seconde Guerre, celui-là. Ah oui, vu qu'il y a des trucs de rations, des bouteilles, ouais, non, franchement, ça, c'est possible. Faire gaffe, parce que ouais, la toiture, par contre, elle est dans un état dégueulasse. Voilà, regardez, faites attention. C'est un panneau militaire pendant la guerre, en fait, pour dire que... Là, mec, fais gaffe, ça marche sur le bois. Ah! Bah si, c'était détérioré, mec. Attends, désolé, on mettra un petit bip. Ah, regarde les bouteilles. Oh là là. Oh là là. Tout le monde, regarde, ils sont venus tout casser. Ah ouais. Regarde. Mais tout est cassé. Ils ont renversé, regarde. Oh, mais le respect du lieu. Après, les urbexeurs, ils sont mal vus. Il y a des milliers de bouteilles. Tout a été Oula. Quoi? Oh, ça vibre sous les pieds, non, pas trop s'attarder. Ouais, regardez-moi ça, toutes les bouteilles. Toutes les bouteilles. J'ai aimé faire la fête. Il n'y a plus de date sur les bouteilles, c'est dommage. Non. Non, à mon avis, les bouteilles datées, elles ont dû être emmenées. Tu fais gaffe, hein, t'as vu, je les ai montrés en vidéo, il y a des trous quand même. Il y a des bouts de bois, je mange dessus, moi. Ah, c'est ce que je fais aussi. Ils ont été mis, je pense que c'est pour une raison. Ça, c'est pareil, c'était une super vieille soupière, quoi. Mais ils ont tout dégradé. Et ça, ça peut être des... Là, derrière, hein. Tiens, regarde. Attends. Désolé. Terre de fer, amandinoise. Ouais. Ça peut être des vieux trucs, hein. Souvent, c'est quand c'est fabriqué à Gien. C'est marqué Gien en dessous. C'est des trucs. C'est en ferraille. Ouais, c'est une boîte en ferraille, ouais. On dirait un masque à gaz. Ouais. Ah, peut-être pouvoir enfin mettre la main sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Milton, appli, ce crème. C'est même pas français. On voit pas trop, ouais. Ah, là, les paires de chaussures. Il y a des photos dessus. Il peut y avoir une ancienne caisse ou... C'est bizarre. Toujours des crottes d'animaux. Alors, du coup, on est sorti de ce... C'est une genre de petite maison, en fait. Hein. Ouais, un petit peu plus loin, je crois. Donc, en fait, quand on était venu, ici, on pouvait se déplacer, en fait. C'était... Ça devait être des chambres ou des pièces à vivre. Je sais pas, je vais essayer de m'approcher pour que vous voyez un peu mieux avec la loupiote.
Et en fait, tout s'est cassé la figure. Le toit s'est effondré. Ah, les deux étages. Ah, Matt, c'est les deux étages qui se sont effondrés. Ah oui. Ah oui. Allez. Direction la maison. Après, on essaiera de voir si on peut pas aller derrière la maison. Voir. Elle a mangé par rapport à la dernière fois. Elle a mangé ? Allez. Elle est où la porte d'entrée ? Elle est plus loin ? Toujours moi qui bouffe les ronces. Attendez, j'allume la lumière. Eh ben mec, pas de mouvement brusque quand tu te déplaces. Hein. Pas de mouvement brusque ou de secousse un peu bizarre. Vieille cheminée, Audric est déjà passé devant. Ah ouais! Ah ouais! Trois étages sont tombés là! Ah, c'est dégradé la maison. Par rapport à la première fois qu'on est venu, ça va te faire bizarre. Alors. Ça se dégrade à une vitesse. Et la moquette, elle est tombée. Et on a Fabien, le frère de Mathieu, justement, qui connaissait la maison avant qu'elle soit y abandonnée. Et à ce qui paraît, c'était magnifique parce qu'il y avait des grosses tables en marbre en plein milieu. Les chaises, tout a été dégradé en l'espace de 2 ans. Ah bon ? Ah oui, la vache. Il a repassé, mec, moi. Il y a un escalier. Comment t'es passé, là ? Ouais, j'ai forcé un peu le passage, moi. Oh là là là. Ici, il y avait un sous-sol. Il y en a un derrière qui est en train de galérer. Je vous emmène, mais je sais pas où je mets les pieds. Le sous-sol, il était par où ? Il a pris de l'avance sur moi, Audric, là. Oh, le vieil escalier. Ouais, j'arrive. Ah, il est dans le meuble. Hop, c'est sportif. Donc, je vous emmène avec moi, tiens, on va regarder un petit peu. Octobre 1937. C'est bien ça, c'est l'entre-deux-guerres. Donc à tout le monde, tout respecter, essayer de laisser vraiment propre. Je le répète peut-être un petit peu de trop. Bah tenez, on va faire un jeu. Je vous laisse mettre sur pause. Si vous voulez faire un jeu des années 30. Hein. C'est pas tout jeune. Fais gaffe où tu mets les pieds par contre ici. Et oui, je suis dans le meuble. Et la date, hein, c'est octobre 1937. Ce que j'ai en date. J'essaie de regarder. Exploitation agricole, HCB. Ah. Faudra que tu floutes au moment que je mets l'enveloppe. Pourquoi? Bah sinon ils vont voir le lieu. Le nom de la ville. Bon après c'est pas trop grave. Le lieu se trouve pas ici quoi. Et tu vois où la date du coup ? Là. T'as le calendrier là. T'as fait des lettres ? Avec des timbres et tout ça ? Bah non. Il y avait des lettres avec des timbres. Bah oui. Tout a été pillé. Hein. Mais t'as vu à la vitesse à laquelle le lieu s'est cassé la figure ? Bah oui, non, c'est vrai que là. Ouais. Le sous-sol il est là. Sous le tas de gravats. Ah, Matt, le sous-sol il est là. Ah oui, il y avait un sous-sol. Bah oui, c'était un peu glauque d'ailleurs parce que dedans il y avait juste. C'était un petit carré.
avec juste une chaise en plein milieu, en fait. Consigné. Et de la vinaigrette. Chocolat instantané. Oh la vache. Et bah j'irai pas boire. Il y a une bouteille, il y en a, y a encore du liquide dedans. Ouais, gâteau. Ah, attendez, il y a encore un papier. Sucre raffiné. Et boîte de pâté. Sardine. Non, c'est des sardines. Excusez-moi. Là, t'as le lavabo. C'est le café soluble. Je sais pas si vous allez voir. Donc n'hésitez pas à nous dire hein, votre ressenti par rapport à la vidéo, si l'angle ça va, si vous voulez qu'on prenne plus de temps. Ah, il y en a un aussi. Oh, une boîte de camembert. Oh, regarde. Tu te rappelles. Regarde. Est-ce que vous connaissez le bon mayonnais? Mais je savais pas, il s'appelait les becs fins avant, regardez. Ah, excellent. Excellent. Là, franchement, c'est excellent. Oh, royal. Royal. Attends, Fanad, enfin, un petit bon dans le passé. Enfin, moi, je l'ai pas connu comme ça. Ah non, bah non. Il y a pas une date de péremption dessus. Oh, ça doit être. Normalement, c'est dans l'intérieur de, du. Ouais, mais c'est avec les années, ça a dû s'estomper. Non, je l'avance. Hein. Ouais, je pense pas trop. Il y a une fournaise là-bas. Vous voyez l'état du plafond. Oh, ouais, on va pas trop traîner là, parce que c'est sur le point de tomber. Un mec, on va bouger. Ouais, attends, je vois juste le journal. Oh, regarde. Oh non, oh, attends. 1978, c'est pas si vieux en fait. Vandalisme à l'église. C'est pas à côté, donc c'est bizarre. Oh là là. Regarde, plus pour le taxi. Le taxi là, en DS. Ça serait du luxe maintenant. Taxi en DS. Bah ouais. Non, mais on va essayer de ressortir par ici. Eh, il y a de la chicorée, t'as pas vu? Oh, regarde, c'est le bas du meuble. Bah, ouais, chicorée, c'est ça. Oh, je vais me mettre la copie. Ah oui. Ah, il y a une lettre. Une lettre? Timbré, ouais. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'est juste l'envenant, c'est l'enveloppe. Excuse-moi. Bouchon, sucre raffiné. Double raffiné pour du sucre. On essaie de temporiser parce qu'on vient d'entendre un bruit de tracteur. Ouais, là, je coupe la lampe. Je coupe vite fait la lampe, on va rester un peu dans le noir. Parce que je pense qu'il y a un tracteur qui est garé pas très loin. C'est pas ma voiture, mec. On essaie de. Ah, il y a du monde, il y a du monde. Oh là là. Rien du tout. Je reprends dans deux secondes. Je sais pas si vous allez entendre le tracteur au loin. Ouais, on finit la visite en speed. Les éléments de cuisine. Ikea. Non, on n'est pas en partenariat avec eux, ne vous inquiétez pas. On n'est pas en partenariat avec le géant, c'est le doigt. Il y a pas un pion, du coup. Bon, insensible pour les arachnophobes. Il y a quoi là? Ah, une petite Maïtica. On va prendre Maïtica, le film il passe ce soir. À la télé. Voilà, t'as donné la date de l'urbex. Ah, bravo. Ah oui, c'est du Jura au Fontainebleau, à Fontainebleau. Oh, c'est un vieux livre. C'est un vieux roman, sûr. Oh, bien. Un vieux roman. Les pages sont encore lisibles. En tout cas. Alors, on est parti.
La grande armée n'existait plus, la famine, l'hiver des Russes, et non leurs armes, venaient de l'anéantir. Non, on va pas lire un roman quand même. C'est marqué aide au camp de l'empereur Napoléon Ier. Sympa, on n'a pas une date de ce livre-là. Oh, il y a probablement une date, mais le problème c'est que c'est tout abîmé. Oui, tout le monde. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Désolé, hein, je rentre pas dedans parce que là, vraiment, j'ai pas envie de prendre une poutre sur la tronche. Ouais, vous avez eu peur. Hein. J'aurais fait un gros plan de la tronche. Ah, il y avait un escalier. Ah ouais, un escalier. Ah toi, il y a un escalier par là. Un vieux meuble. Ah. Bon, je tente une prise de... Une grosse mética. Une prise de vue. Surtout que tu ne me suis pas. Vas-y. Parce que là, l'escalier, il a l'air bien sain, par contre. Il est bien sec. J'irai pas plus loin que le palier des... que le palier. Hein. Enfin, y a encore un étage. Ouais. J'ose pas trop avancer parce que là. Il y a encore un étage. Et c'est vraiment effondré dans le fond. Il y a deux étages, je crois. Mais si, ça a l'air marche pas à gauche là, mec. Ouais, j'aime voir ça. Oula. Non, ici, c'est pas possible. Vous voyez? On va prendre des risques, là. Ouh, oui, c'est mou sous le pied. Regardez ça. Ouais. Bouge pas, bouge pas. C'est quoi? Je vais essayer de faire un plan son. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tu vas essayer de faire quoi? Vas-y, descends. Putain, moi je suis pas là. On va finir par se tuer. Mais... Déjà qu'il faut faire super gaffe. Vous êtes le seul, il est pas pourri. Je pense qu'il m'a lâché en plus. Mathieu, il nous fait du jump style ou je sais pas quoi dans les escaliers. Bon bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Force pas. On voit rien. Ouais. Ah, c'est les chiottes. Oula, ça a été bouché, ça. Il y en a un qui a une grosse envie. Oh. C'est dégueulasse. Bon, ton avis par rapport au premier passage? Pas mal, qu'on avait fait. Ouais, bah... Un peu dégradé. C'est hein. Un peu plus dégradé que quand on était... Ça dégrade vite, la nature a pas envie de ses droits. Tu faisais pas de vidéo à l'époque? Non, du tout. Mmh. Mais le lieu est quand même très sympathique quand même. On a vu des choses vraiment du début du 19e siècle et tout, des lettres. Tiens, rien. Sympa. Maroc. Maroc. Mais c'est un peu dommage, c'est tous ceux qui sont nus pieds et tout cassés en fait. Maroc. Eh. Yashi, je mon frère, viens, banane, des oranges, j'ai tout de Maroc, mon frère. On passe une photo.
Mec, fais voir. Bon bah, on aura fait le tour de la maison, je pensais pouvoir vous montrer plus. L'étage du coup était vraiment inaccessible. C'est vrai que là, la nuit commence à tomber, ça donne un autre cachet hein, du bâtiment. Et le tracteur il est là-bas, il est pas fin. Ouais, on va y aller. Donc voilà, on a fait le tour du domaine. Donc on espère que les images vous auront plu. On voulait vous montrer un petit peu plus, mais au fil des années, le bâtiment s'est retrouvé quand même pas mal amoché. Vous l'avez bien parce vu. Parce que là, on voit à peu près, je ne sais pas si on va voir d'ici. Je sais pas. Mais il y a deux étages, hein, on voit mal. Enfin, il y a deux étages, mais l'étage vraiment tout en haut, bah, juste la partie où on était à droite, ça va à peu près. Mais c'est, ouais, c'était... au-dessus de la salle à manger, tout ça, c'est complètement mort. C'était à peu près potable, mais ouais, tout s'est cassé la figure. Même dans les étables, hein, elles ont mangé, puis il y en a qui sont venus un petit peu piller, casser les bouteilles, endommager le lieu. Donc voilà. Donc bah, si ça t'a plu, tu laisses un commentaire, petit pouce bleu. N'hésite pas, tu t'abonnes. Et puis on se retrouve pour la prochaine. C'est ça. Et puis si ça fonctionne, bah ouais, on fait une prochaine. C'est ça. Et là, on essaiera de trouver un lieu un peu plus sympathique. J'ai une grosse usine désinfectée. Donc si tu le veux, tu laisses un commentaire. On la fera. Donc voilà. Bon, allez, chaud.